Là, le Messie, je crois, ce qui excitait les autres dans la religion, c'était le paradis. Que je m'en vais parce que après, j'aurai le Messie, Jésus va me donner une place à côté de lui au paradis. Mais maintenant, dans la compréhension, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est que c'est dans la compréhension, c'est pas le paradis qui est pour que vous avez comme récompense, puisque le paradis, c'est la compréhension créatrice. Hein. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que ce que tu as, c'est le Créateur. C'est-à-dire que cette compréhension que le Créateur a jugée comme portion, il te donne, il te le donne. Donc, c'est ça qui s'établit en toi. Et c'est toi. Et même dire aux gens, par exemple, qu'ils iront en enfer, c'était une récompense aussi. Oui, parce que aller en enfer était une récompense. On définissait ça bien, une récompense par rapport à ta désobéissance, par rapport au fait que tu ne suis pas la parole, ou alors tu n'es pas chrétien. Tu vois, on t'a évangélisé, mais tu as repoussé l'évangélisation. C'est la raison pour laquelle tu vas voir, quand les chrétiens, entre guillemets, à un moment, après tant d'années, leur vrai être, ce qu'ils sont comme identité cosmique, se révèlent, ils disent que non, c'est parce que le diable lui avait attiré, lui séduit. Mais pourtant, il y a des années, plusieurs années, il dit qu'il est enfant de Dieu avec le Saint-Esprit. Donc, il te dit bien que c'est le diable. Pourquoi? Parce que dans cette dimension, on construit dans le sujet cosmique qu'il y a le diable, il y a lui. Et c'est toujours un peu non. Voilà. Et il y a même les autres qui sont païens. Et lui, il est fils du Créateur ayant le Saint-Esprit. Et en ce temps, le Créateur est différent de lui. Parce qu'il est toujours dans une conscience individuelle. Il est dans l'individualité. Donc, ça fait en sorte que quand on lui a promis le paradis, c'est pour lui. Ce n'est pas pour les autres. Et même ce paradis-là, c'est pour lui, c'est qu'il a posé des très bons actes pour le paradis. Quand on lui dit l'enfer, il sait toujours que c'est pour lui. C'est la raison pour laquelle, quand tu vas prononcer le mot enfer devant quelqu'un qui est chrétien, mais il va paniquer. Pourquoi? Parce que pour lui, ou bien tu dis il ira en enfer. Non, il ne peut pas accepter ça. Parce qu'il se voit lui en train d'aller dans l'enfer, dans un lieu où lui, il serait brûlé dans le feu. Tu vois un peu, il serait persécuté, violé, agressé. Mais on lui présente un endroit que lui, pas les autres, même s'il n'y a que lui qui part là-bas, où il aura les rues en or, il va manger, car il pense seulement où tu ça vient. Tu vois, il aura tout ce qu'il n'a pas eu sur la terre, les maisons faites en or, il aura. Mais parfois, c'est souvent terrible. Sur la même terre qu'il dit qu'il n'a pas eu de maison en or. Mais il y a d'autres autour de lui qu'il appelait païens, qui ont des cuirs en or, qui ont des gobelets en or, qui ont des plats en or, qui quand ils pensent nourriture, on le donne. C'est-à-dire qu'il ne réfléchit même pas. Si on le choque, qu'il le regarde comme ça, il réalise qu'il veut quelque chose, on va faire, on vient lui donner. Il n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Parce que tu vois, ça veut dire que celui-là, il est au paradis des pieux. Mais c'est eux qu'on appelait païens. Est-ce que tu comprends? Donc, tu comprends bien que c'est un problème. Tout ça là montre seulement l'ignorance. C'est-à-dire que l'ignorance du sujet. Bon, par contre, la compréhension qui vient d'en haut, c'est l'héritage. C'est l'héritage. Il n'y a pas autre héritage que ça. C'est l'héritage qui est donné au vase. Le vase a vu le jour pour recevoir un héritage. Et cet héritage, ce n'est pas l'univers. Mais cet héritage, au contraire, c'est la compréhension qui viennent d'en haut. Et à partir de cet héritage, c'est à partir de cet héritage qu'il devient, c'est-à-dire un vase utile, noble, n'est-ce pas? Et joue son rôle comme il avait été prévu. Est-ce que tu comprends? Donc c'est ça. Maintenant, si on peut même faire passer le mot intérêt, mais l'éternel n'a l'intérêt que pour lui-même. Est-ce que tu vois? Quel intérêt le Créateur aura avec ce qui finit. Est-ce que tu vas voir? Donc, c'est ça. Et maintenant, autre chose, c'est que le Créateur qui a fait venir à l'existence l'univers, et le Créateur qui ordonne à l'univers de prendre forme comme humain, comme tout autre composant. Donc, le Créateur, dans son ordre, dans son organisation, il décide, il établit qu'il va s'insérer ou s'introduire dans un vase. Donc, ce n'est que ça que le vase a vu le jour, le but pour lequel, ou alors l'objectif pour lequel le vase a vu le jour, c'est pour recevoir le but qui est
la compréhension, qui est l'héritage du vase en même temps, et qui est la bénédiction même de l'univers. Est-ce que tu vois qui est la bénédiction de l'univers? Donc, à ce moment, tu vois qu'il est quoi comme intérêt? Qu'il est comme maison comme intérêt, guérison physiologique comme intérêt? Mais non, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir d'intérêt d'autre au niveau des moyennes, parce que le sujet qui est ignorant, on lui présentait les composants de l'univers comme son intérêt. Tu vois, je prenais l'exemple l'autre jour, tu vois, on te dit carrément que parce que tu as beaucoup fait l'évangélisation, tu as servi le Créateur, tu auras, au ciel, tu auras une maison. Mais est-ce que c'est la maison qu'on parle? Les gens ont des maisons ici. Ils n'ont même pas besoin d'aller au ciel pour avoir une maison. Ici, les gens ont des maisons. Est-ce que tu comprends? Mais s'il faut aller au ciel pour avoir une maison, c'est une façon de te réduire encore à la paresse, à la stupidité, à l'aboutissement absolu. Bon, par contre, ce que tu ne peux pas avoir, j'ai dit bien dans l'univers, tu peux tout avoir comme composant. Même si c'est la mer que tu veux, tu peux l'avoir. On voit bien aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont des îles privées. Ils ont le fleuve à eux. J'ai dit le fleuve à eux. Est-ce que tu comprends pas? Tu vois dans sa cour, il a son lac. Donc il n'y a pas une composante de l'univers qu'un sujet cosmique ne peut pas avoir. En fait, ce sont ses vis-à-vis, ce sont ses frères. Bon, maintenant, ce que tu peux ne pas avoir jusqu'à partir de l'univers, c'est la compréhension créatrice. Parce que la chose la plus difficile, c'est pour que le message passe, la plus difficile dans l'univers à obtenir, c'est la compréhension qui vient d'en haut. Tout le reste là, l'argent, l'or, voiture, tout ce que vous voulez, les enfants, les femmes, les maris, tout, c'est accessible. C'est-à-dire, ça a même vu le jour pour que vous les utilisiez, vous les ayez, que vous obtenez ça entre vous. Est-ce que tu comprends? Donc, limiter un être humain, ou alors dire à un être humain, quand il a obtenu, un morceau de l'univers, ça fait de lui un géant, mais ça c'est le tromper. Ce qui fait de toi un géant, c'est ce que l'univers ne peut pas te donner. Est-ce que tu vois? C'est ce que tu ne peux pas obtenir. Parce que la compréhension créative, même si tu pars, il n'y a pas un motif où on manque ça. Il n'y a pas une école où on obtient ça. Donc tu ne peux pas dire que je veux me balader dans l'univers, j'irai quelqu'un dans un endroit acquérir ça. Mais pourtant on vend les maisons. On vend les maisons, on vend les voitures. Il y a des parcs automobiles. Il y a des cités qu'on construit pour vendre des appartements aux gens. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on vend des enfants. On vend les bébés. On fabrique même, on te donne. Je dis, avant de fabriquer la compréhension qu'on va mettre en lui, on lui d'abord à fabriquer comme base. Est-ce que tu vois pas? Il y a rien qu'on ne peut pas obtenir aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis aux gens que mais, la chose la plus facile d'obtenir, c'est l'argent, c'est les maisons, c'est les voitures. Ce n'est pas les choses difficiles là-bas. Mais la chose la plus difficile d'obtenir dans l'univers, c'est la compréhension créatrice. La compréhension créatrice, on ne l'obtient pas parce qu'on a une motivation ou parce que je dis je veux obtenir la compréhension créatrice. Nous voyons même, notre frère Paul parfois dit quoi? Ça ne dépend pas de celui qui court. Ça ne dépend pas de celui qui veut. Tu vois un peu? Ça dépend du Créateur. Tu comprends un peu? Donc tu ne peux pas imposer au Créateur que donne-moi ton je veux. Comme on voit les gens dire que tu vas me donner ça maintenant. Tu vois? Mais c'est vrai que c'est les maisons parfois qui deviennent très violentes. Seigneur, tu vas me donner la maison là. Tu vas me donner la voiture. Tu vas me donner l'argent. Tu vois un peu? Donne-moi mon mariage. Fais mon miracle aujourd'hui. Et quand tu demandes c'est quoi le miracle? Il dit mais les gens sont allés en France. Je suis encore ici. Il faut que moi j'aille en France. Est-ce que tu comprends? Mais tu vois bien qu'on dit aller en France, on ne dit pas aller ailleurs. La France, c'est une partie géographique à côté. Donc tu n'es pas sorti de l'univers. Quand quelqu'un te dit qu'il allait sur la Lune, sur Mars, je prends un exemple, c'est vrai qu'ils ne sont pas allés sur la Lune, ou alors sur la Lune, au Soleil. Quand les gens vont sur la Lune, ils vont sur Mars, ils vont là-bas. Mais tout ça, c'est l'univers. Ils ne sortent pas de l'univers. Quand quelqu'un te dit, je suis un grand sorcier, tu demandes pourquoi? Il dit, parce que je peux faire ce que tu ne peux pas faire. Tu demandes, mais qu'est-ce que tu peux faire que je ne peux pas faire? Il te dit, je m'en vais me cacher souvent au soleil. Mais il n'est pas sorti de l'univers. Le soleil est une composante de l'univers. Est-ce que tu comprends? Donc c'est ça. Et le Christ dit quoi? Je garde l'air dans le nom que tu m'as donné. Parce que dans ce nom-là, on n'y pénètre pas. Personne ne peut pénétrer. C'est pourquoi tu vas voir dans le fond religieux, on dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit, tout langue confesse.
Est-ce que tu comprends? Mm-hmm. Parce que c'est cette compréhension qui n'est pas accessible. Tu comprends? Mm-hmm. Par quoi ou qui que ce soit dans l'univers. Donc, c'est la chose ou alors c'est ce qu'on n'obtient pas par caprice, par une volonté quelconque, parce qu'on a accumulé les éléments de l'univers. Non. Le Créateur lui-même, il se donne à toi. Il y a la portion de chacun réservée. Quand le temps arrive, qu'il te le donne, il s'investit là. Et il te révèle, un, qui tu es, comment fonctionne ton univers. Et tu commences à comprendre le langage du Créateur. Parce que le Créateur qui est en train d'émerger là, c'est lui qui parle à lui-même. Tu comprends son langage. Donc, ce qui concerne le Créateur n'est plus une folie pour toi. Tu vois, parce que tu le comprends. Tu comprends bien son mouvement, tu interprètes bien le mouvement, l'attitude, le comportement de l'univers et son expression. Est-ce que tu vois ça? Donc je te dis, ma soeur, il n'y a rien qui est difficile là dans l'univers à obtenir. Même la rose croix, la franc-maconie, tous ceux qui ont vu le jour, pour dire aux gens qu'il faut qu'ils viennent parce qu'on va leur donner l'univers. On est seulement trompé. L'univers, tu peux l'obtenir sans entrer dans ces choses-là. Est-ce que tu comprends? Je dis, l'univers a vu le jour pour qu'on l'utilise. Tu comprends? C'est tout simplement parce qu'on a éloigné d'autres, même en tant que conscience cosmique, très loin de ce qu'ils sont comme identité. On ne leur a pas révélé qui ils sont. C'est pourquoi quand quelqu'un obtient une petite maison, il est capable d'insulter tout le monde au quartier. Tu vois, quelqu'un, quand il a trouvé un travail, mais il pensait que tu vois aujourd'hui, combien d'enfants sont arrogants, méprisants, parce qu'il dit qu'il a obtenu le bac. Il n'est même plus capable de saluer sa mère à la maison. Est-ce que tu comprends? Mais pourtant, c'est un programme. N'est-ce pas? Nous voyons dans les programmes politiques aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a annoncé il n'y a pas longtemps que s'il est président, mais il va détruire le système éducatif dans lequel on valorise plutôt le diplôme. Est-ce que tu comprends? Donc, ça veut dire qu'à un moment, un président peut se lever un matin et dire que mais, les diplômes ne servent même plus à rien. Mais on commence à donner le travail aux gens, même sans diplôme. Il y a des nations où les gens partent chercher le travail. Ce n'est pas le diplôme qu'on lui demande avant. On demande la première question, c'est qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Ce n'est pas le diplôme. Donc, pour que tu comprennes que, eux-là, ils ont compris que le sujet qui vient là, c'est une énergie. C'est une énergie sur laquelle on peut s'appuyer ou sur laquelle on peut s'appuyer pour se projeter. Il suffit seulement de mettre l'information à l'intérieur. Est-ce que tu comprends? Donc c'est ça. Mais l'esprit du Créateur, la compréhension créatrice, mais on ne met pas ça n'importe comment. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui met, c'est le Créateur lui-même qui met. Donc c'est ça. Parce que tu vois, dans la religion, on disait tu décides, tu donnes ta vie au Seigneur. Voilà, c'est pourquoi on dit que quelqu'un dit que j'ai décidé, que je donne ma vie au Seigneur. Oui. Tu as la volonté de dire que je dis non à Satan. Oui. Mais c'est toujours parce qu'on a scindé Satan et toi. Si tu avais compris que tu es Satan, tu ne peux pas dire que j'ai décidé que je donne ma vie. La vie que tu appelles là, c'est la vie de Satan. Est-ce que tu comprends? C'est Satan qui parle. C'est parce que tu ne sais pas que tu es Satan. Et puis tu dis, j'ai retrogradé. Oui, après tu dis encore que j'ai retrogradé. Toi qui avais donné ta vie à Jésus, le même toi encore a décidé de retrograder. Donc tu comprends bien que c'est parce qu'on ne t'a pas dit qui tu es. Tu ne peux pas, déjà même quelqu'un, et c'est quand même terrible, hein. Si tu vas au niveau de l'argent, que les gens aiment bien tant, personne ne peut dire qu'il a eu le milliard, peut dire que j'ai décidé de ne plus avoir le milliard. Plus tu as le milliard, plus tu vas avoir. Donc maintenant, quand c'est l'esprit de Jésus, on décide encore de dire, je suis retrogradé. Tu comprends bien que ton niveau d'aboutissement est tellement élevé. Tu comprends? Pour que tu dis j'ai décidé de donner ma vie et après j'ai décidé de la reprendre. Est-ce que tu comprends? Non, on ne les donne pas, on reprend. C'est pas possible. Quand les gens donnent leur existence, tout leur quotidien pour gagner de l'argent, ils ne sont pas prêts à revenir. Même quand l'argent n'entre pas, ils disent tout que ça va entrer. Ils ont l'espoir que ça va entrer. Ils se battent avec leur dernière énergie pour davantage avoir. Est-ce que tu comprends? Mais ça veut dire que si on fonctionne comme ça, dans cette compréhension-là, que je donne et je reprends, ça veut dire que l'esprit de Jésus est moins que l'argent. Est-ce que tu comprends? Voilà. C'est la raison pour laquelle je dis bien,
On peut tout obtenir dans l'univers. Je dis bien tout. Maintenant, si on n'a pas ce tout, c'est-à-dire que quand je dis tout, par rapport aux critères que la société définit que l'homme le plus riche, le plus pauvre, ceci. Si on n'a pas toujours ce tout, ce n'est pas, quand tu es compréhension maintenant du Créateur, ce n'est pas un problème pour toi. Parce que le simple fait que le Créateur émerge et que tu comprends qui tu es, mais tu comprends bien que si je comprends bien que l'univers qui est la conscience, qui a pris forme comme agent, c'est moi qui le régule. Mais est-ce que je peux encore me soucier ou m'inquiéter que je n'ai pas l'argent? Non, c'est cette dimension-là. Il y a satisfaction parce que la compréhension a émergé. Et c'est cette compréhension qui t'explique tout. J'ai dit qui t'explique tout. Événement, circonstance, situation T. Est-ce que tu vois? Quand tu es là, c'est elle qui t'explique. Donc ça fait en sorte que tu es équilibré à tout moment. Voilà pourquoi la compréhension créatrice, on ne peut pas parler de lui seulement au passé. Il est le passé, il est le présent, il est le présent continu, il est le futur. Tous les temps que tu... Il est là. Il n'a jamais été. Parce qu'on va dire que quand Jésus était, non. Il n'était pas. Il est toujours là. Il est là. Parce que c'est le Créateur. Donc il n'y a pas une époque où le Créateur était. Et après une autre époque, le Créateur n'est plus. Et ça revient toujours à ce que les gens font dans moi. Ils disent que quand j'étais riche, les bons vieux temps. Tu vois un peu, un bon vieux temps. Dans la compréhension créatrice, le temps est toujours bon. Hein? Le temps est toujours bon. Les événements sont appétissants. Les situations sont agréables. Pourquoi? Parce que le Créateur qui met tout en mouvement, c'est lui qui est assis là. C'est lui qui explique. C'est lui qui comprend, qui t'explique ce qui se passe. C'est lui qui organise. Tu ne peux pas être acteur en même temps que tu te plains. Est-ce que vous avez vu un acteur qui se plaint? Non. Voilà. L'acteur sait ce qui se passe. Il est membre actif de la situation. C'est ceux qui sont ignorants, qui sont en dehors de la scène, qui sont surpris. Mais ceux qui sont dans la scène ne sont pas surpris. C'est comme si vous allez au film. Et Bruce Willis est en train de tourner un film. Et après, Bruce Willis lui-même dit que, mais attends, je suis surpris que c'est ce qu'on peut faire, puisqu'il a le synopsis. Il est dans le film. C'est toi, quand tu vois le film, tu es surpris des actions qu'il pose. Mais lui sait. Même quand il a tiré sur lui et puis il a esquivé la balle, c'était prévu. Il savait que l'autre va s'arranger qu'en tirant, il esquive la balle. Donc ils sont dans le film. Dans le film, on connaît les rôles. Dans le film, on connaît les rôles. On comprend le mouvement. On comprend le mouvement de ce qui se passe. Et le scénariste connaît le rôle de tout le monde. Donc c'est ça qui est très important. La compréhension créatrice comprend tout, sait tout, connaît tout. Et c'est ça qui te donne l'équilibre. Donc il n'y a rien de plus facile que obtenir les éléments de l'univers. Mais la chose la plus difficile d'obtenir, c'est la compréhension. Parce que ça ne, c'est pas toi qui oblige à la compréhension de se donner à toi. Mais tu peux forcer la main de l'argent. Tu peux forcer la main de la voiture. Tu comprends un peu? Tu peux même aller au village. Ton oncle dit, comme je n'ai pas d'enfant, je te donne mon champ de cacao. On ne lui fera rien. N'est-ce pas? Les gens sont héritiers. Alors, même le monde dit quoi? Il y a des gens, des âmes bien nées, qui n'attendent pas le nombre d'années. On dit qu'ils sont sortis avec les cuirs en or dans la bouche. Alors, mais pourquoi on ne dit pas qu'ils sont sortis avec l'esprit du Créateur? C'est ça. C'est ça. C'est cette dimension.